Ah, mais ok. Désir. Bon, commencez comme ça, vous amis. Haïti, yo pa vle wè ya. C'est lui, yo pa vle. Bah, on dit, non, mes amis. C'est moi qui s'assemble, et nous, c'est que je dis, hein. Eh, mais si tu m'attendais bien, non, guest. Oh, attendez bien. Ok, en tout cas. Vous recevez mieux, désir. Très, très, très bien. La société, laissez-moi dire que ancien président Michel Joseph Martelly, monsieur vraiment prend un gros courrier dans le pays États-Unis. Ancien président Michel Joseph Martelly, monsieur prend un gros courrier, m'aimer dire encore, dans le pays États-Unis. Et en pile avocat, connaissait la loi qui parlait sous dossier ça. Eh bien, yo avancé des arguments juridiques, politiques, pour montrer que, après décision département, Trésor États-Unis prend contre ancien président Martelly, eh bien, nan jou pralvini la yo, nan tek pralvini la yo, que ancien président Martelly, monsieur pral nan problème, monsieur pral nan kouri, et des Irvenes, Baba nous menti, réaction en pile. Je dis encore, dans l'émission Kalfou Vérité, Zami yo pral ge chance. Tande plusieurs réactions. Et ge yon patisa proche Martelly. Et nan dja suite Miki. Monsieur dit clairement que Martelly suite Miki est déjà inscrit dans le défilé carnaval de Bordelan. Qui donc, Martelly ka pral défilé. Dans le carnaval, les bordés qui ont fait New York le 2 septembre qui ont venu là. Et pendant ce temps, il y a un ensemble haïtien qui est dans la diaspora, qui est New York, mais qui joue mercredi, ils ont décidé de parler au comité qui a géré la question. Pour lui dire, fais attention, si par malheur que Martelly suit Miki, que Martelly a dirigé ta nan parcours te kou sou chat a joué n'importe ça arrivé sou parcours yo responsable de ça. Et ben moi qui dit c'est de haïtien qui dit et nous allons finir avec détail sur ça et déclaration de Désir Venesse. En pile nèg en Haïti qui c'était gros tête gros membre nan PHTK nan moment nèg yo gen gros problème et en pile nèg qui était dans pouvoir Martelly et qui t'a investi ensemble avec Martelly nèg yo commencé gen problème et yo commencé nan gros couri Désir Venesse gen causé gen nouvelle nan question service intelligence palais national selon conseiller observateur qui c'est Frinel Joseph. Monsieur ta ou interview avec Marie-Lucie Bonhomme. Monsieur moute clairement que oui, la présidence que je dis avec 9 conseillers, yo gen une enveloppe de 25 millions de goudes pour service intelligence la présidence. En raison que chaque conseil présidentiel ta gen une somme de 2,5 millions de goudes nommé yo pour service intelligence personnel yo. Tenez bien. Elle avait dit 25 millions de goudins. C'est pour service intelligence la présidence. Je dis en là, mais chaque conseiller qui a même fait partie, mais conseiller en là, il y a toutes des possibilités, il y a 2,5 millions de goudins mais yo pour que yo capable eh bien gérer service intelligence yo. Pour qui ça? Côté nèg yo abdormi, deuxième résidence, est-ce que son côté est safe? Tout bail ça yo. Alors que, quelqu'un t'a posé question, pour qui ça c'est pas un système, on dit une entité en deux d'appareil national, quel lui-même qui prend en charge service intelligence la présidence là, la présidence des services intelligence li, ministère intérieur des services intelligence li, la primatie des services li, ministère justice des services li, la police des services li, mais qu'on a regardé qui ça résultat. Service intelligence ça au bail en termes de résultats. Jusqu'à présent, vous pouvez regarder, poko gen aucune action posée dans l'intérêt moun an di ke en termes de institution ça. Sinon, président Jovenel Moïse assassiné comme ça.
Si service la présidence a décaissé tout l'agence ça ou bien que Marron Gomel était sous Jovenel, eh bien, t'as droit gagner de disposition qui te prend pour te empêcher que Jovenel Moïse pour pas assassiner dans niveau ça. En tout cas, Désir Venesse, nous pouvons parler et nous questionner ensemble des points ça au Désir Venesse. Très bien, Blaise Peterson, ancien président Michel Joseph Matéli, et qui était sous pouvoir sorti 2011 pour arriver 2016, qui pour qu'on y a dans Miami, pendant la recherche, je ne permis de travailler, eh bien, et autorité dans les États-Unis d'Amérique, surtout département Trésor et États-Unis d'Amérique, eh bien, prend disposition pour sanctionner Michel Joseph Matéli pour participation dans sa qui est pour avec trafic de drogue. D'après information Miami Herald rapportée, Blaise Peterson, avocat Michel Joseph Matéli a confirmé présence client niant dans Miami pendant qu'il refusait faire commenter plus. Cependant, il précisait que Matéli t'a considéré comme appliqué pour un permis de travail dans zone côté li trouvé là Blaise Peterson. Impact sanction sur Michel Joseph Matéli côté sanction et bureau contrôle bien étranger américain au FAC prend pour interdire institution financière américain yo by Michel Joseph Matéli prêt ou soit crédit. En plus de ça, toute transaction l'argent qui dans juridiction États-Unis côté Matéli gain yon intérêt ben pratiquement interdit citoyen américain yo et yo interdit tout pour yo investi dans action ancien président haïtien ou soit dans dette qu'il capable gain Blaise Peterson. Mais sa yo c'est une réponse directe à soi-disant complicité Michel Joseph Matéli dans trafic de drogue illégal mondial d'après OFAC. Mot-clé Michel Joseph Matéli, sanction américain et permis de travail Miami, trafic de drogue ou FAC finance dans ça qui vient pour avec un pays, les États-Unis d'Amérique. Dans ça qui concerne les questions corruption dans le pays d'Haïti, faut que nous disions Blaise Peterson et coup d'appel Port-au-Prince libéré. Ancienne directrice caisse assistance sociale là, madame Edwin Tonton, qui c'est ancien comptable institution et côté Pierre Richard Vallès, yon libération et provisoire pour raison humanitaire sous demande avocale qui tape défendre et déaccusé si là dans quatre dossiers corruption Blaise Peterson. Conseil présidentiel transition dans pays d'Haïti. Dans ça qui vient pour yon accordé yon délai 4 jours qui cap venir avec expiration dans le dit qui a 26 d'août pour secteur qui pour gagner membre dans conseil présidentiel non pardon c'est plutôt et dans conseil électoral provisoire là c'est ça qui a gardé il y a gain délai et jusqu'à 4 jours pour yo bail moun paroi à part de ça il y a gain pour prendre décision dans ça qui gain pour avec question et si là la situation question insécurité en dedans pays a la meti manchette c'est non un nouveau groupe gang qui formé dans Saint-Jean du Sud, d'après ça, agent exécutif intérimaire Joseph Estimé Dupont fait connaître une gang qui déjà commet divers crimes, lui souligner gain mandat DEO, mais la police pas gain machine pour exécuter mandat c'est là. Si n'a pas fait coup de pied dans département la Tibonite et respectivement dans juridiction des Gonaïves, commissaire juridiction des Gonaïves là, maître Guyverna Guillaume adressé une lettre avec directeur départemental police monsieur Jean-Louis Paul Minard pour dire depuis novembre 2023 li gain 47 mandats qui pas gain suivi d'exécution et le mandé pour directeur départemental avec la police force l'audio dans département la Tibonite arrangé pour exécuter mandat ça qui était et qui bail contre bandit cocorat ratio qui pratiquement empêché population à traverser divers espaces surtout sur route nationale numéro et en sortie l'Esther pour venir dans la commune Gonaïve. Blaise Peterson, pendant passage ambassadeur pays les États-Unis en Haïti dans ville au Cap mardi 20 août 2024 ambassadeur américain Denis Hankins saluer sanction yo prend contre Michel Joseph Matéli. Li profite dit États-Unis pas gagné solution tout fait face avec problème insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti. Solution c'est dans mes haïtiens liés avant tout selon ambassadeur pays des États-Unis en Haïti. Nous voulons parler de Denis Hankins qui prend disposition cela. Dossier insécurité toujours. Et si la yo qui pratiquement trouvé dans une situation très difficile, coordination qui lié avec question promotion pour dynamination et canapé vert, adressé une correspondance avec ministre justice pour mandel pour prendre disposition lui-même avec directeur police nationale d'Haïti qui ka permettre que renforcer force de l'audio dans la communauté qui permettre que population au moins joigne sécurité. Il y a divers avocats,
Blaise Pierson qui prononçait sous question Michel Joseph Matelia et pas oublier les Canada et les sanctions. Les groupes experts des Nations Unies ont déjà dit que Michel Joseph Matelia était participé dans ensemble distribution Zamba en équipe jeunes garçons dans le quartier populaire. Nous pouvons questionner, nous pouvons analyser avec les amis internautes qui branchent tout partout parce que la situation de jour en jour, la vie plus difficile, Blaise Pierson dans ce qui a passé. Et pas oublier, il y a des confrères des médias traditionnels, médias en ligne, qui pratiquement dans le collimateur. DCPJ qui m'a dit pour t'amener, mandat d'amener contre Mounsaïo. Il y a des confrères qui essaient de dire, qui essaient de garder dans l'analyse, ils ont dit que DCPJ t'a voué ventre parce que lui m'a dit arrêter ensemble journalistes, parmi journalistes, un journaliste femme qui travaille pour la Voix de l'Amérique et pour question assassinat, viol, kidnapping, trafic d'armes, ak munitions, parce que journalistes habitués à le couvrir, conférence chef gang barbecue, abbaye et. Mounio fait quoi? C'est vraiment un bruit vide, là où lié, journaliste, dans la question ça, dans la question et assassinat, viol, vol, kidnapping, trafic d'armes et munitions. Et cependant, ou pas de preuve pour prouver côté journaliste, t'es inscrit dans le modèle pratique ça. Si vous parlez de viol, qui est-ce que journaliste a été violé? Si vous parlez de vol, bagay qui moun que journaliste a été volé? Si vous parlez de trafic d'armes, à qui est-ce que journaliste a été acheté? Non, mais qui est-ce qui a acheté d'armes? À qui est-ce qu'elle te revend d'armes? Si vous parlez de trafic munitions, qui côté journaliste? Est-ce que c'est maïtrophonio? Est-ce que c'est camérayo? Est-ce que c'est téléphonio? Et qui rentre directement dans le trafic d'armes? En pile comparaison, par raison, moun yo a essayé de dire, est-ce que la DCPJ a arrangé pour le questionner CNN, France 24, France 2, France 1, et tout l'autre média international, Blaise Pierson, qui pratiquement, qu'on vient faire interview avec Bandi, qui dans le niveau capital là, si vous parlez des relations, Blaise Pierson, relations livas, est-ce que DCPJ pas imaginé pour CNN, pour France 24, vient en Haïti, vient interviewer Bandi, ou bien vient faire reportage avec Bandi, lui établit une relation de près et de loin, soit direct ou indirect, qui a garanti journalistes internationaux pour venir dans le pays en Blaise Pierson. Si Kounia, DCPJ, gagne des preuves tangibles sous confrère qui monnaie par les groupes armés, par les terroristes dans le pays d'Haïti, pour faire job, ça a pour Blaise Pierson, Kounia, que DCPJ lui fait travail. Mais en cas où, c'est parce que confrère qu'on a fait interview avec Bandi, qui permet qu'il attribue avec Bandi, pour moi-même, nous sentons une menace contre liberté de la presse, qui est une grosse bataille qui fait pour ça, Blaise Pierson, c'est affaire que des CPJ, autorité de la justice, policiers, ont besoin clair là-dessus, sous question ça, Blaise Pierson. Désir, j'en dédiant, dans le dossier, Gébli, c'est prêt pour nous toucher pour nous là, mais dans tout dossier, yo, et ces dossiers, et ancien président Michel Joseph Martelian, qui n'a pas gardé d'abord, et nous prenons le gardé avec déclaration ça, que ambassadeur américain en Haïti n'a pas de Dennis Hankins qui lui-même réagit concernant dossier sanction que département trésor États-Unis prend contre ancien président Michel Joseph Martelly. Il est clair que ambassadeur Dennis Hankins monsieur montre clairement que États-Unis pas fait abus avec avec Martelly. Il a dit ça yo dit yo reproché des matériaux qui c'est trafic et drogue, trafic d'armes, blanchiment d'argent, avait dit yo gen assez éléments preuve nan men yo que avant même yo prend une telle décision. Selon ça qui dit par ambassadeur Dennis Hankins et li montre à clair que jodi an ça qui rive an et ça produit an ça passé an eh bien yo États-Unis prend des engagements pour qu'elle continue de travailler, pour qu'elle continue de travailler avec le gouvernement américain, une façon pour être capable exactement river et aider l'État haïtien, aider les haïtiens dans la bataille contre la question de sécurité. Nous permettre que le pays soit sorti dans le calfou difficile qu'elle trouvait le jour aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Que le jeudi en là, ça que vous voulez comprendre, jeudi en là, ça que vous voulez regarder, eh bien, c'est dit, non? C'est essayer de comprendre, c'est essayer de garder que situation qui existe, problème qui gagne, mais qui façon, mais dans qui niveau, qu'elle est capable de résoudre.
il doit résoudre les amis internautes nous yo. En nous entendez, alors ambassadeur américain haïtien Dennis Hankins qui s'était entourné dans le nord et des journalistes ils ont même été posé la question ça sous sanction que département trésor États-Unis prend compte ancien président Michel Joseph Martelly Désir Venesse. Devait se faire déjà par rapport au fait qu'on estime que Martelly, l'ex-président haïtien, est l'une des personnalités les plus controversées, est l'une des personnalités et qui aurait participé et au financement des gangs armés et autres. C'est la question de pourquoi maintenant, alors les États-Unis nous sont en état de droit, alors il faut être sûr que quand nous avons pris cette décision aujourd'hui de faire des sanctions personnelles contre l'ancien président, c'était basé sur la détermination que l'ancien président a facilité le trafic de drogue. En 2020, président Biden a fait une déclaration présidentielle qui a donné permission d'imposer les sanctions des États-Unis contre les gens qui font qui sont engagés dans le trafic de drogue. Nous savons depuis longtemps, nous avons travaillé avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de drogue, parce que ça, c'est un impact direct en rôle de financement des gangs. Et même nous avons vu que l'ancien président a aidé plusieurs gangs. Alors maintenant, c'est le moment que nous avons trouvé assez d'informations au sein du gouvernement pour prendre cette décision. Nous savons que le Canada a fait des sanctions avant et il y a des autres qui doivent faire leur décision au niveau de l'ONU. Mais pour nous, c'était important parce que, bon, si je peux passer en créole. Nous besoin, nous, gouvernement états-unien, gouvernement haïtien, nous besoin. Frappé criminel à cravate, même gens à criminel à exam. C'est important que, et même aujourd'hui, le secrétaire d'État a dit que n'importe quel rang, quelle position, c'est important que les élites qui font des efforts pour déstabiliser Haïti, pour compliquer la vie des Haïtiens, doivent être traités dans le même sens. Donc vous croyez que l'ex-président est l'un des criminels à cravate, monsieur l'ambassadeur? Oui, alors c'est dans notre déclaration qu'il était engagé dans le trafic de drogue et il a aidé les gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, c'est le limite des sanctions. Les sanctions, c'est économique contre lui pour le moment, mais ça c'était notre détermination. Et il y a des autres et on continue de travailler de notre propre ressource, mais aussi avec le gouvernement Haïti, de voir s'il y a des autres élites, soit en Haïti, soit aux États-Unis, qui font des efforts pour déstabiliser votre pays. Ok. Merci. C'est le master. Je suis Guillaume Duvernay, je travaille pour Radio Souvenir et Ferme à Cap Haïtien. Ma première question, que peut-on atteindre des États-Unis? J'ai vu depuis le commencement de ce gouvernement, ils sont assez pragmatiques. Nous savons qu'il n'y a que 18 mois maintenant de compléter le mandat. Et je sais que les premières instructions du premier ministre au ministre étaient de penser en termes. Désir! Et si nous prenons une réaction sur cette séquence et Dennis Hankins, non? Oui, monsieur clairement dit que, oui, ancien président Martelly, monsieur facilité question de trafic de drogue fait de Haïti pour aller aux États-Unis. Ce n'est pas nous qui disons, nous te disons bien, même les Français et Français, monsieur, va finir encore de gens, parce qu'on n'est pas français, pas haïtien, c'est américain. Là, c'est la parler, la essayer de parler dans deux langues, français et créole. Mais où ça le dit, c'est très simple. Et la question que je voulais se poser pour lui dire, est-ce que d'accord que, est-ce qu'il a considéré que Martelly sont criminels, son bagage, il dit oui, Martelly sont criminels, et ce chita sous ça qui dit dans le département trésor États-Unis,
Et bien, côté que Martelly, il est impliqué dans la facilité dans la question de drogue entre États-Unis, d'autres bagages de l'argent, et de monde dans la question, comme d'a dit là, il y a parlé ça des parrainages, c'est français, mais facilité comme si il y a été, il y a moyen, il y a possibilité avec des jeunes garçons, jeunes femmes dans le ghetto. Dans la question qui, je dis, a créé ça, et niveau de criminalité en un pays, selon pour me citer, et ancien ambassadeur de Denis, alors ambassadeur de Denis Hankins américain en Haïti, pour dire comme ça. Mais là qu'on a nous regardé et dit, en attendant, sanctions c'est des sanctions en dit économique, mais ça veut dire si en attendant, c'est comme tu as dit que il y a regardé en attendant parce que quelqu'un de l'autre action qui est capable poser dans jour qui venir là selon ça que ambassadeur Denis Hankins t'a fait comprendre. Je dis un problème de jeudi ça ici hein. Et me soje dans émission qui était fait hier que des étaient venus avec vraiment et qui ça mes yeux sanction hier comme sanction question gelé on dit bien et en termes de question et compte bancaire Martelly question business Martelly ta gagné tout ça c'est des bagages que je dis en autorité américaine yo poser ces les yeux et yo décider c'est pour contrôler yo pas gagné accès avec crédit ensemble de leurs détails mais tout ça c'est des bagages comme si là que en plus monde a posé question et est-ce que l'entraîneur gardé qui est-ce que sanctionné Martelly seulement sous ça comme ça s'abriter là bien que Gonzan mi capable avec me dit mon cher Blaise est-ce que qu'on aime ce genre dossier et bataille là aussi Ukraine non gain ensemble de Ukraine et moi c'est là aussi États-Unis pas des sanctions contre comme ce qui gagne de bien soit États-Unis ou bien de côté en Ukraine que bien ça yo yo prend sanction contre l'État prend saisir sanction sans saisir bien monde ça yo et yo mette à la disposition des autorités ukrainiennes. Est-ce que je dis en là et c'est pas on capable c'est comparaison n'est pas raison mais est-ce que capable quelqu'un un cas pareil qui pourrait exister entre l'état et l'état américain par rapport avec mes idées de sanctions qu'il prend et surtout au niveau du département de trésor États-Unis contre ancien président Michel Joseph Martelly. C'est sa question il est devenu ça. Bon, Blaise Peterson et ambassadeur les États-Unis accrédité affecté en Haïti, l'étape difficile pour le gagner une position contraire par rapport avec décision et département de trésor ou bien le gouvernement américain prend à l'encontre de Michel Joseph Martelly. Parce que pas oublier que Mounsayo le pratiquement agit dans la limite dans ça qui gagne pour elle avec décision que vous prend entre eux comme autorité en chef. Modèle situation qui vient là, je dis en dedans pays, qui très précaire. La situation l'état utile et important pour servir exemple pour jeunes garçons, jeunes femmes qui sur l'échec politique en Haïti. Pour pratiquement arriver comprendre, moun sa yo pas modèle, yo pas ka modèle et les États-Unis pas fait qu'on est Michel Joseph Martelly non financer gang. Yo pas fait qu'on est que Michel Joseph Martelly c'est consommateur et trafiquant drogue. Michel Martelly confirmé dans diverses vidéos qu'il fait. Pour dire oui, il c'est bandit légal. OK? Bandit, il était bandit. Pour dire c'est craqué, veut dire drogueur. Et ben Michel Joseph Martelly arrangé, il prend drogue là, il vend ni. Et dans le moment que le président, selon sa maître, il dit, ce n'est pas moins qu'à dire, c'est le département de trésor qui dit, monsieur servi avec influence pour le traverser avec drogue pour aller aux États-Unis d'Amérique. Kounia, est-ce que Kounia, nous-mêmes comme Haïtiens, nous avons dit que nous réjouis? OK? Non, question sanction Michel Joseph Martelly. Moi-même comme Haïtien, je dis que je ne suis pas réjouis parce que c'est cette identification que vous faites. Mais nous-mêmes, nous pas tant d'identification. N'a pas que la police soit haïtienne ou américaine, la justice haïtienne ou américaine prend disposition pour faire poursuite judiciaire contre Michel Joseph Martelly. Parce que songez, depuis le mois d'octobre, Blaise Peterson, là, la, nous en octobre 2023, c'est un groupe expert Nations Unies qui te porté un ensemble de détails sur Michel Joseph Martelly. Dans sa côté et dans le rapport, dans l'enquête qui a été menée. Sous ensemble participation, Michel Joseph Martelly, dans ses paris âmes, dans un certain groupe gang en dedans pays. Et c'est des gangs qui sont puissants, peut-être gagnant leader gang qui parle là encore, mais qui normalement gagne relève par de l'autre jeune garçon qui pratiquement est en dedans. Je
quatre groupes experts des Nations Unies, il y a des personnes qui ont déclaré Michel Joseph Martelly financé gang base 257. Et bazar qui était pratiquement activé, m'a crasé ensemble mobilisation anti-gouvernementale, ensemble mobilisation contre la corruption qui a fait en dedans pays. Quoi, 257 était dans le cœur de Pétionville, qui était qu'on a frappé. C'est Michel Joseph Martelly qui créait le comme gang. Groupe expert Nations Unies, non, rapport qui a été soumis les personnes. Yo parlé de gang village de Dieu, gang non et Tiboua et Gravine. Yo essaie donc de regarder que monsieur baille l'argent et le baille zam avec gang Silayo les personnes. Après tout ça au fin dit de on est qui était président dans période li et nous regarder et nous d'accord. Nous dit ça qu'a passé là jeudi a, yo lié directement avec passage Michel Joseph Martelly comme président de la République. Qui arrange le, qui mette, qui déstabilise le pays, a, parce que vous avez dit, vous prenez le contrôle là pour 30 l'année, ok? Pour continuer à gagner le pouvoir. Je veux dire, si nous détectons, même si nous avons fait pour Ketan, même si nous avons fait pour sa ville, même si nous avons fait pour n'importe l'autre, trois dealers qui étaient dans le pays, donc Ravix, nous te prenons, nous te mettons dans la prison, je veux dire, peuple haïtien, c'est arrestation et conduit vers prison, jugé Michel Joseph Martelly pour ça qu'elle commet comme un père qui rend la vie jeune garçon avec jeune femme hypothéquée en dedans pays. Je dis à Michel Joseph Martelly, avec bande criminelle qu'elle installée avec Zamilio, avec colonie en Haïti, les personnes li hypothéqué la vie monde qui fait 30 à 40 et même 50 ans à travailler aux États-Unis d'Amérique. Qui te gen bien dans le pays d'Haïti. Que nèg qui gen zam nan men yo, allez, yo déchepiller, yo pote tout ça, allez, qui mette en nostalgie, la kay moun sa yo, est-ce que vous pensez yon sep sanction après moun sa yo rejoui? Sanction et arrestation, de dommage pour ensemble moun qui victime de sécurité que Michel Joseph Martelly installé là, et pas oublier, c'est yon nan président qui connaît plus gros scandale économique en dedans pays ya, qui li avec question Petro-Caribe. Est-ce que vous pouvez entendre pour nous garder ça? Et Michel Joseph Martelly, comme intelligent, devine avec question de la 50. Pour un pile monde, c'est à pion bien, garder question de la 50 là. Non aider construire l'école, non aider encadrer le professeur, non aider encadrer si vous n'avez plus bien pour vous apprendre à lire et écrire. Et malheureusement, c'est un groupe mafia qui n'a fait le Fonds National d'Éducation. Tout ça, yo pas joué en faveur Michel Joseph Martelly. Kounia, est-ce que ensemble balle? Que Michel Joseph Martelly gagne dans le pays les États-Unis, automatiquement, il y a des balles qui t'a dû annuler les personnes. Parce que, pas oublier, département trésor, États-Unis d'Amérique, dit moun sous territoire, pas ne doit faire business avec Michel Joseph Martelly. Quand on a besoin de faire différence entre Michel Martelly avec Sweet Mickey, mais c'est des mêmes personnalités. Et même personnalité, ou qu'a dit, même personnalité, non seulement. Parce que c'est Michel Joseph Martelly qui est président. OK? C'est même Michel Joseph Martelly ça qui chantait vedette dans Sweet Mickey. T'allez, bon, plus bien pour vous toujours, si vous permettez moi. C'est Sweet Mickey qui bail Michel Martelly président. Parce que c'est Sweet Mickey qui a connu Simone qui était avec petit pantalon, petit bout de jeep sous lien. C'est lui qui a connu d'abord. Parce que c'est lui même qui a dit, yo gen l'autre a voté moun sérieux, ben on vote au coup de vagabond. Donc c'est Sweet Mickey qui a accouché Martelly. Qui fait Martelly avec le président. Et je dis toujours ça. Je aucun monde n'a décanté Martelly de Sweet Mickey. Et malgré Martelly a été président, ou après grand pile de fois, Martelly a fait interview avec deux mounes, ou senti que Sweet Mickey a connu l'anli, il a répondu à question journaliste. Là que c'était Martelly a été président, en pile fois, il a été génotique à Sweet Mickey la Kali. Les là, dans des interviews, exactement. Les là, dans des interviews, c'est comme quoi il ne voulait pas de journaliste. Parce que c'est Sweet Mickey hein, qui était l'anli. Mais il faut voir ça pour nous dire mon désir. Parlez pas de quand tu es celui qui avec Martelly. Très bien. Moi, je pense que je dis à Blaise Personne, si nous avons essayé de regarder combien de trafiquants de drogue que dit rentrer vin en Haïti, mon cher Chiflap Longapil, Michel Joseph Martelly, rend un plus gros service pour jusqu'à présent toutes sanctions que vous étendez le Canada à parler. Eh bien, avocat Michel Joseph Martelly confirme que Michel Joseph Martelly la Kaili dans Florida. C'est Richard
Danso, qui c'est avocat depuis longtemps, qui refuse de faire commentaire sous sanctions américaines, d'après sa Miami Herald écrit. Sanctions département trésor américain imposé contre Michel Joseph Martelly, pas vraiment l'ouvrir chemin pour gagner une poursuite pénale contre les États-Unis, mais il a mené plutôt une série de sanctions mondiales dans le niveau des Nations Unies. Et Kounia, la situation, si Gary Conille, si le conseiller présidentiel a préparé l'avenir pour la République de la situation, a préparé éthique dans l'État, a préparé honnêteté dans l'État, yo besoin d'arranger, surtout ministre justice et sécurité publique en Haïti, yo de saisir de dossier si là pour au moins yo même yo poursuivre Michel Joseph Martelly sous question qui yo accusé yo. Si peut-être yo pas non sous. OK? Parce que les États-Unis pas fait rien avec Michel Joseph Martelly de cette façon. Yo essaie de regarder des biens que Michel Joseph Martelly fait qu'il y a avec drogue, des biens que Michel Joseph Martelly fait en Haïti dans corruption qu'il fait. Qui c'est dans dollar 50, qui c'est et dans ça qui vient pour avec Petrocaribe, il y a arrangé pour prendre bien ça yo. OK? Poursuite judiciaire Michel Joseph Martelly cap vini oui, mais le besoin en pile persistance des personnalités haïtiennes pour prendre responsabilité en ce sens. Mais je veux dire problème qui gagne c'est tes mafieux qui gagne là qui installé dans le pays d'Haïti que département trésor fait connait qu'il au courant, les gagnent qui dans secteur privé des affaires. Les gens qui dans politique, qui pral gagner des retombées directement sous consommateur final là, qui c'est peuple là, citation, qui ça me dit pas là. Parce que relation commerciale, Michel Joseph Martelly gagne avec secteur privé des affaires là, sanction pral affecté yo, et bien kounye a achat des produits que au cap gagne dans n'importe pays qui partage limite avec États-Unis d'Amérique, yo pral trouver dans situation très difficile. M'kwè nous remarquer, Renault dit, par rapport avec sanctions, les bossants, nous voyons qui ça que ça vous fait sur yo comme impact par rapport avec sanctions que vous gagnez qui a pesé sur nous. Mais tant mieux, plutôt corrompu, drogue dealer ça yo, sanctions viennent des petites conséquences préalables sur peuple haïtien, même tout mettez en balise pour empêcher corrompu, drogue dealer arriver dans tête d'État pour venir diriger. Et je dis, si yo pas poursuivre et arrêter Michel Joseph Martelly et tout peuple haïtien besoin connaît que vous avez fait Philippe Anton. Ah oui, parce que ou besoin connaît que vous fait et sa ville top, ou besoin connaît que vous avez fait Jacques Ketanton. Si vous pas décidé arrêter Michel Joseph Martelly qui a nationalité américaine, parce que li pas possible ou pas qu'à servir avec même loi pour te vin arrêter on sait que des monde que vous reprochez des mêmes bagailles avec nèg que vous a parlé de li jodi a pour ces dénonciations qu'il y a. C'est agissement que lié blessé personne. Faut que haïtien calégel pour demander communauté internationale là suspendre jouer avec crise qui vient là. Pour suspendre planifier popularité on off avec Michel Joseph Martelly et tout nèg qui impliqué dans drogue dans corruption dans pays là. Parce que peuple haïtien tant pour Jean et pasteur TFT organisé par en Haïti là et souffre pour Haïti Grégory. Souffre pour Haïti. Haïti vraiment besoin de souffle. Nous t'attendons de un jeune garçon qui aux États-Unis d'Amérique, qui c'est un Haïtien. Qui a montré valeur que Haïti gagne. L'arrivée aux États-Unis, la travail n'est pas gagné. Pièce, c'est vrai, il y a une opportunité. Il n'y a pas de pièce loisir. Mais c'est censé indigné. Mais c'est à crier. C'est difficile de savoir privé. Pendant un pile dans nous, nous connaissons le pays, nous avons ce paradis à quel lieu. Nous de connivence, nous de mèche, nous concocter avec la communauté internationale là, nous rendons Kelvin tout nous l'enfer. Et je dis à Nexa, yo, yo besoin de venir dans l'enfer. Yo pas créé une bonne prison, mais yo besoin de venir dans la pénitence nationale qui salte à couper un petit dent. Ok? Yo besoin de venir là tout. Parce que c'est pas Nex qui a sa patte là, c'est vrai, qu'elle commet un père avec la population. Mais Nex qui baille ça, Nex qui baille drogue là, pour retirer qualité, monité que jeune garçon ça a gagné, les plus criminels toujours de la situation.
Désir qui est Andy et chargé de, alors m'a dit bien, mais section qui pourra pas département trésor États-Unis contre ancien président Michel Martelly pour trafic de drogue et financement violence dans pays d'Haïti, question gang armes en Haïti. Et bien selon et secrétaire assistant secrétaire d'État affaires hémisphériques là, n'a pas de Brian Nichols, il fait connaître une action importante que ben décision États-Unis. Monsieur Brian Nichols, monsieur fait connaître que États-Unis a continué promouvoir reddition des comptes en pays d'Haïti pour permettre que le pays soit capable de prospérer. Donc, il y a un encore qui peut tomber sous sanction, autorité américaine, soit département trésor ou département d'État américain, parce que estime que en pile dans acte politique, nous, en pile dans monde qui est homme d'affaires, nous, il y a un côté qui vient dans Haïti dans sa vie là, soit dans le trafic de drogue ou dans le trafic d'âme. Des Ivenes, nous apprenons que un ancien député, et Jacques Mellan, si je me trompe, car Jacques Mellan qui c'est, et c'est Ketel Jean-Philippe, si je me trompe, monsieur, oui, qui a réagi, et sous question et sanction que département trésor, États-Unis prend compte, ancien président Michel Joseph Martelly. Entendez, ancien député qui était Jean-Philippe Desivenès. Sanction, ça, pour moi, c'est symbole. C'est identifié, monde qui mène dans cette situation. Le monde qui baille les jeunes garçons dans le ghetto, nous ne connaissons pas acheter ça. Monde qui est dans le trafic pour organes dans le pays. Donc, il aide nous identifier. Pour moi, c'est des mondes politiques qui mouillent. La société n'a pas qu'à faire, pour recycler mon ça. Participer dans mettre le peuple à genoux. Participer dans créer niveau de pauvreté, ça, dans insécurité, ça, pour moi, ce n'est pas un monde qui t'a nous considéré comme nous. C'est un monde qui trahit, qui font crime de trahison, qui trahit la patrie, qui montre qu'il n'y a pas d'empathie pour la population, parce que sa population, ça a subi un bagage, un bazar, un bandit, ce bagage, il dépasse. Donc pour moi, c'est un bon bagage qui a permis de nous identifier, mauvais crime. Et d'ailleurs, ça a permis de nous changer classe politique là. On a retrouvé classe politique là avec des mauvais graines qui contribuent les populations au pouvoir. Nos servir, au contraire, monter le complot avec des chaînes qui réveillent les gens dans la population. Ce sont nos signaux, sauf qu'on attend que la justice fait travailler. La justice, vous voyez ce que ça et en Haïti et à l'étranger, parce que le comité national, là, c'est des partenaires qui ont appelé de nous. Résoudre les problèmes. Son bon signal, et me penser qu'à ça, le continuer à faire pour évacuer tout pour le bien qui est la classe politique. Non, c'est pas que. C'est pas que. C'est pas que. Il y a confiance dans la communauté nationale, c'est des partenaires. D'ailleurs, je pense que les institutions, la justice, il faut une bataille pour renforcer la justice. Parce que les gens qui ont sanctionné, ils ont reproché les bagailles. Dans la radio, on a c'est parce que mon justice est fort, qui va arriver les gens, je vous pose la question. Donc c'est les partenaires qui non seulement ont voulu mieux mettre nos autres là. C'est nous pas faire ça, mais ça nous passé ou pas c'est vite. Donc si on a un coup de main pour nous résoudre, nous disons merci. Donc c'est pas en confiance que gagner, c'est plutôt une mode de collaboration, de venir avec nous. C'est pour aider nous, c'est pour avoir force multinationale avec le pays à moyen pour aider nous à établir la sécurité. Député, le nouveau commandant de la Terre Force d'Amérique d'Haïti, vous attendez à qui ça? Alors, nous attendons que la vie soit tout le monde à la même étape. Nous avons dit que nous attendons parce qu'il n'y a pas de moyens pour la vie à force d'Amérique. Parce que nous avons un embargo pour acheter des armes. Donc, si vous avez un pas de équipe, vous n'avez pas de armes, vous n'avez pas de moyens. Eh bien, il ne peut pas faire ça avec lui. Même si vous dites, nous sommes en situation de guerre. Pourquoi les bandits ont coupé les gens, ils ont mangé, ils ont tué les gens, ils ont payé les gens. Même sont victimes de sécurité, des bandits. Donc, même penser que nouveau général ou commandant général en chef de l'AMEA, les doué pour tes contributions, aider que l'AMEA plus dynamique. Et le ministre de la Défense, le gouvernement, parler avec les partenaires internationaux. Yo, font m'élever, des moyens pour acheter des armes, acheter un hélicoptère parce que ça nous vient à terre là, c'est pas la police qui a résolu, c'est la paix. Si on avait entendu la guerre, il y a des bonnes choses, on n'avait pas sorti dans l'allée, la police font intervention, même des spécialistes, ils font intervention, tout le monde passe. Alors c'est là, mais avec intervention, des moyens, des capacités pour nous là, pour nous consolider, travailler différemment. Donc ça qui est en Haïti, c'est pas travailler la police, c'est travailler l'armée. Bien content, on est passé mes affaires en haut et en main noire. Donc on attend le résultat rapide. On attend de négociations pour que la meilleure des moyens pour battre. Merci.
Ça, c'est déclaration à ses députés qui est-elle Jean-Philippe, qui lui-même t'a parlé concernant d'abord décision département trésor États-Unis en prend des Evenès sous question ça, mon frère. Bon, réaction pape suspend tombé sous attente des anciens députés. Lidio, Sanction, Nekefen, identifié ensemble monde qui conduit pour tenir là, je veux dire. Et wa vient en pile nèg qui était proche Michel Joseph Matéli qui a commencé à râler koyo les personnes parce que ouais la boussa il pas de bon sens du tout au compte moins m'a senti qui pratiquement dans canal dans Egouyo dans Port-au-Prince en bas la ville c'est sorte ça qui a dégagé sur Michel Joseph Matéli là pas une pièce nèg qui était bon côté cap d'accord OK puis on saute bien pour bien frais pour fin sur yo et puis pour venir coller sur Michel Matéli qui gagne centre latrine qui pratiquement n'ont démêlé avec autorité américaine qui c'est boss qui c'est patron qui décide baldo. Ouais ça qui fait là c'est pratiquement yon avé domicile. OK? C'est même ça ou gen foyer ou à vivre madame petite et puis yon décide pour une raison ou bien l'autre, yon décide et mettez tout ça comme secret familial de yon. Et ça qu'a privé Michel Joseph Matéli là. C'est ce que familial lui qui dans la rue là. Après ce que familial la filmé télé, qui ça pral fait? C'est ça que ancien député qu'était Jean-Philippe dit. Et même moun sa yo qui dit qu'il a résoudre problème insécurité qui ou gen la ka ou les personnes à travers Nations Unies, yo kembe embargo que ou dit que ou mette sur Haïti pour zam rentre légal, pour vinn joine force légale yo pour hélicoptère des combats, vin jwenn la médaille, ti vin jwenn la police. Cependant, même Zamza ou qui a empêché que la police, que la mégaine, yo di gen bagou a, y a founi yo nan pays d'Haïti. Et ça fait que nous devons tout temps poser question avec les États-Unis. Qui ça pour peuple haïtien faire pour au moins pour nous bloquer van Zam ak munitions k'ap rentre dans pays a et comment k'ap entendre pendant di que vous voulez combattre insécurité que petit garçon yo créé a? Qui ça fait empêcher que peuple haïtien, la police, l'armée, gain hélicoptère de combat? Il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs regroupements haïtiens qui, à travers le monde là, cap mobiliser pour déclencher, pour collecter fonds, pour permettre de la situation. Ni force l'armée d'Haïti, quelle est la police, pour au moins des forces légales, ça y est, des moyens nécessaires. Pour gagner un revirement qui pourra le faire. C'est pas autorité ou non qui pral faire mais yo pral gagner obligation pour entendre cri peuple haïtien parce que yo tout yo constaté le constat est fait de la personne que situation difficile dans le pays d'Haïti et ça qui est là c'est guérilla qui est c'est comme si c'est en guerre que Haïti est tout temps ou minimiser force de frappe bandi yo et ben y a vinn plus puissant y a commettre plus de guerre dans le pays là et ça qui est besoin prendre disposition nous besoin arriver comprendre nous-mêmes en tant que peuple nous avons une responsabilité nous parce que jeune garçon que nèg qui dans secteur privé nèg qui dans politique qui fin mettre zam nan men rend quel pas moun encore li blie s'il gen petit ak madame pendant la gang nan par rapport avec lui même li retire tout ça que petit li ak madame ni famille maman papa ta kap gen comme valeur morale et moun sa yo pas ka prendre chance pour parler avec jeune garçon que nèg politique yo utiliser c'est pas pour l'autre bagaille. C'est pour préparer réélection, pour continuer à venir au pouvoir, qui vous fait ça. Comment on est qui passe comme président de la République? Je dis, il y a une institution si prestigieuse. Et moi, beaucoup est et conseil présidentiel de transition prononcé sous sa noblesse. Beaucoup est Gary Kony prononcé sous sa noblesse. Après le département de trésor, il y a une décision. Il faut que monsieur Antonio pour goûter pour moralité. Pour l'honnêteté à travers le pays. Conseil présidentiel, il y a besoin de fixer position. Est-ce que vous êtes d'accord avec sanction que le département de trésor prend contre Michel Joseph Matéli et vous même qui ça y a fait comme autorité haïtienne? Parce que vous avez pratiquement occupé l'institution Sinob contre Michel Joseph Matéli était passé. Il y a une petite valeur. Parce que je dis à la parler de la présidence, où est-ce que c'est corruption, où est-ce que c'est drogue dealer? Dites sinon, c'est pas comme ça qu'elle était. Faut que nous arrangeons pour nous rendre. Quelle institution sinon ça tout. La boîte est nos désirs venaient ensemble nous regarder question. Madame, c'est désir. Très bien. Moi, la situation ça, que pays a connu, l'itrice,
li pa fè valeur bon côté haïtien yo, li permet que haïtien yo senti ou pas moun, li permet que haïtien yo diminue, malgré c'est pas yo qui doit dire là, mais l'autre gonne qui était président. Président, c'est pas n'importe qui bagay non, président. OK? Malgré nous te prend et dans Macrel, nous te prend dans bordel, nous te mettel dans palais national. Parce que nous te estimé, nous te fait soit trop moun sérieux. Moun sérieux yo, te trop pas respecté, yo te fait et yo ensemble de dérives. Si vous regardez ancien président Jean-Bertrand Aristide qui pratiquement libéralement tamé avec question ça qui est là en dedans pays. Et bien pour 30 dernières années, les Michel Joseph Martelly, les René Garcia Préval, malgré René Garcia Préval, te prend pile disposition dans sens pas, Presbyterson. Pour te mener bataille contre trafic drogue, pour te mener bataille contre trafic organe, pour te mener bataille contre insécurité généralisée que pays a tombé là parce que René Garcia Préval te dit que tu as trois options. C'est soit yo vini dans cadre CNDDR, yo remettre zamna, yo réinsérer dans mitan population ou bien yo tombé dans échange de tir avec la police. Je tiens un besoin autorité qui la yo, nek ki président, nek président, nek ki premier ministre, nek ki ministre justice. Yo besoin que testicule dans testicule, yo besoin que grain dans monde yo. Pour yo prendre responsabilité yo, pour yo dire avec gang yo et c'est pas parler pour parler, c'est parler pour faire action. Quel te gang à cravate, tant que ambassadeur américain dit, quel te gang qui a cravate blanc, quel te gang qui a sapat, petit exécutant, petit intermédiaire, faut que vous arrangez pour agir contre les personnes dans la question si là, parce que Michel Joseph Martelly, c'est une majorité. Et sous prend Michel Joseph Martelly, ou bien possibilité pour jouer toute l'autre majorité en dedans le pays à les personnes. J'aime de dire en désir, en nous venant avec avocat Friendly Denis Julien, qui lui m'a expliqué sanctions États-Unis pour Michel Martelly. Le gars, il va quatre paramètres la donne. Et ils sont haïtiens, avocat, mais qui a évolué dans le système justice américain aux États-Unis. Et il fait pile considération dans l'interview ça, qu'il bat avec deux confrères nous dans Magic 9, qui m'a invité ses amis, au bon séquence. La donne est dégagée dimension pour nous comprendre, parce que là, c'est le technicien qui a parlé, tendez-le bien. Nous avons envie ou expliquer nous, hein, mais mettre Fendel et Julien, pour qui ça, c'est pas ministère de justice et qui font une date, mais c'est le département du trésor. Et prérogative ça, le département du trésor. Rentrez la donne avec tout pour nous comprendre l'implication en second lieu au niveau économique, civil et financier et commercial pour concerner. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que États-Unis, système américain, ils ont gagné et sont arrivés, ils ont un principe qu'ils utilisent en pile, c'est le principe des juridictions concurrentes. Et au cas gagné, même, et problème qui posait à, et comportement, et infraction, crime qui posait à, et au cas gagné plusieurs instances dans le système américain qui décidaient et sévit contre individus. Et ça pas veut dire que l'autre pas fait non plus. Alors ça crive là aujourd'hui à nous dans le cadre sanctions, pas oublié depuis quelque temps. Plusieurs pays a annoncé sanctions sur Haïti et sur des mondes qui en Haïti. Et département du trésor, c'est lui-même qui devant Banna, ok? Et bah, ça a commencé et en 1812 que département du trésor américain commençait à faire genre de et bah, ça sanctions ça yo. Et lorsque t'es gagné des troupes anglaises qui t'es harassé des soldats américains et dans la mer, etc. Et depuis lors, ça vient continuer, département du trésor gagné et genre de prérogatives ça. Alors, question que vous posez maintenant, très intéressant, à savoir, pour qui ça, c'est pas un indictment qui vient. Pas de monde qui connaît si pas un indictment qui vient. En réalité, estimer que pour ça, États-Unis mettez là, dans le département du trésor là, parce que yotaka prend monsieur sous association avec gang yo, yotaka prend sous instabilité, tout ça, et qui résultait de association avec gang yo. Mais, dans le document de sanction, yo mentionné deux bails pour moi qui est important. Premier bail là, c'est que yo dit yo te travaille avec DEA pour y arriver là. Et deuxièmement, yo non seulement parlé de trafic de drogue, mais yo allé de manière spécifique pour mentionner cocaïne. À mon avis,
si les États-Unis, après un tel indictment, j'aime d'arriver là, du département du Trésor, alors utilisez mon indictment là, et au figuré, pas t'a engagé poursuite criminelle contre Martelly, m'pensez que y a perdu en pile crédibilité. Parce que pas oublier que ça arrivait plusieurs fois que les États-Unis descendent en Haïti, yo arrêté des citoyens haïtiens pour trafic de drogue, pour blanchiment d'argent. Et là, pour t'arriver côté que ou gagnons ancien président, pour accuser de bagaille aussi grave, pour qu'on ait qui genre de pouvoir que le gagne, que li aux États-Unis et que le gagne accès à États-Unis. Et que après on telle accusation, de telles accusations, pas gagne rien de criminel qui vini, système américain a perdu un peu de crédibilité. Maintenant, qui te demande le bagage qui est très important, qu'est-ce que ça veut dire burden of proof, la charge de la preuve. Et là où dans le domaine pas là, dans le domaine judiciaire, alors après c'est dans le tribunal, côté leur rassembler et indices et preuves, yo. Ou soumettre à sagacité et analyse en procureur et système américain qu'on est au courant, un grand jury qui fait un autre travail d'évaluation de force preuve et si on a mené à une condamnation devant un tribunal avec ou sans assistance de jury et qui baille des garanties judiciaires pour que monde qui inculpé a ait accès à dossier et préparer défense li. Et est-ce que clairement et ça a été gagné comme preuve en attendant indictment, nous par contre si vous avez une qui serait quelque part, on a souligné ça. Et est-ce que charge de la preuve là dans cas ça, l'elle pas suffisante li pas mené à indictment, à inculpation. Moi grand pile information ça a circulé en pile dans le réseau yo et à savoir que charge de, et standard qu'on gagne pour satisfaire dans tribunal criminel là c'est beyond au-delà de tout doute raisonnable beyond a reasonable doubt et le on organisme tant qu'au département du trésor américain pour yo dire que non seulement les directeurs et Flanner a impliqué dans le trafic de drogue et puis aujourd'hui c'est cocaïne. Comment pour faire connaître cette cocaïne si on pas une preuve là? Vous comprenez, ça veut dire que là on fait pas et aujourd'hui que de travailler avec DEA. On a des faits qui vraiment circonstanciés, qui bien détaillés et pas quoi que le département du Trésor t'a qu'à faire yon déclaration comme ça si yon pas gain preuve pour yon si yon pas gain capacité pour prouver au-delà de tout doute raisonnable. Autrement yon t'a qu'à faire des bails vagues du genre association avec gang et utilisation de pouvoir pour faciliter et instabilité etc. Mais là nous on a fait avec un bail qui extrêmement précis et ensuite gain un précédent et yon a bail qui gain c'est que en pile monde qui n'a pouvoir dans Amérique yo, yo toujours pensé que faire la volonté les quatre volontés des États-Unis li protéger yo contre eux et poursuite dans le futur. Ce n'est jamais le cas. L'on prend un monde tant que Noriega, c'était un agent de service secret américain yo qui s'était passé Noriega. L'autre jour là nous sortons l'autre cas intéressant là, c'est Juan Orlando Hernandez, président Honduras qui était qui fait tout ça, les États-Unis besoin, mais monsieur, t'es impliqué dans le trafic de drogue, finalement, yo prend monsieur, yo trouvé monsieur coupable, et en mars 2024, là, yo condamné monsieur à 45 ans d'emprisonnement. Donc, et, yon n'a pas moué, l'op suivre, parce que qu'on n'a pas eu gain ça, ou les États-Unis pas turn yo. Et l'op gardé que généralement, accusation de envergure, ça a le fait contre des acteurs qui n'ont arrière-cour États-Unis, les très rares pour ta rombaille qu'on s'est fait à ce niveau-là pour le paguen poursuite criminelle. Maintenant, qui te nous dit, Norigas, Emmanuel Antonio Norigas, qui est président de Panama, et Américains te font intervention pour te déposer, monsieur, et jusqu'à maintenant, monsieur Fermé, non prison de sécurité, si ma mémoire est bonne. Monsieur Mouri, il y a une femme en prison haute sécurité et là, à Téala, dans downtown Miami, mais je vais aller
en 2000. Mais là, il m'a dit, ah bon, il faut causer, papa. Maintenant, là, vous avez évoqué le président et Panama, ça, il a rappelé tout que c'était un petit ancien président panaméen. Par contre, si c'est même le monde qui a parlé là, Fabio Lobo Lobo, il était arrêté en Haïti, il était arrêté en Haïti, il était traîné aux États-Unis. Et dans le cadre de Rio de Sato, 2014 également, il y a deux neveux et madame et Nicolas Maduro. Et que Dié était arrêté parce que Boïsia tout faut bon songer que Boïsia son route et pour drogue. Maintenant nous salut de la poire n'a pas nous voulions nous assurer que toutes les preuves, c'est mon salut utilisé, que toutes les preuves étaient rassemblées et que la décision prise était justifiée. Les dit puis loin, depuis longtemps, nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de la drogue, car cela a un impact direct sur le financement des gangs. Nous avons maintenant suffisamment d'informations pour agir. Puis loin, les dit, le gouvernement haïtien, les gouvernements haïtiens et américains doivent s'unir pour arrêter les criminels à cravate, de même que les criminels armés. Journaliste sur témoin, et est-ce que le considéré, M. Maté, était comme gang à cravate, et Natik Martinoa, et ambassadeur, et de devoir là tout, il dit oui, puisque l'ancien président était engagé dans le trafic de drogue et a aidé des gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, nous l'avons sanctionné, bien que la sanction soit économique. Pour le moment, c'est notre détermination. Comment analyser et entre les lignes et ce qui n'est pas entre les lignes et qui est clairement explicite dans les commentaires de l'ambassadeur Hankins et Emmanuel? Bon, mon cher, je ne pas voulu faire analyse et propos ambassadeur parce que je ne pas comme ça, M. Guenamel, lui-même ambassadeur, parce que le système ça tellement comportementalisé que m'pa connaît sa ambassadeur connaît lui-même. Cependant, moins cap suivre et qui connaît comment le système n'a fonctionné, nous connaît tel très bien que même si standard yo et standard que yo besoin satisfait pour que yo sanctionne par le département du trésor les différents de standards qu'on besoin pour que yo convainc un jury, pas qu'un monde qui a coûté en Haïti là, qui gagne l'esprit, qui connaît que les États-Unis pas qu'à prouver ça devant un tribunal criminel si vous voulez. Ok? Nous connaît très bien qui rapport que les États-Unis gagnent avec BLTS. Nous connaît de qui ça n'a parlé là. Tout le monde connaît très bien que si les États-Unis voulaient prouver ça, il y a fait. Maintenant, il y en a pas que un pile monde a demandé qu'on y a là. C'est prochaine étape. Et dans le cas de Juan Orlando Hernandez, et du Honduras, Congrès américain a joué un rôle important dans forcer main et exécutif là pour que yo mène monsieur devant tribunal criminel. Et c'est même pas ça que t'as parlé tout, certains monde t'a dit que gain parole qu'a fait mais pas gain preuve, mais t'es gain des monde dans Congrès qui dit que c'est pas vrai, nous connaît que nèg ka prouvel et après Congrès t'es mettre pression sur exécutif là, yo t'es finalement et mener monsieur devant tribunal criminel aux États-Unis. Et l'autre bail qui gagne, c'est que, il y a une différence qui est importante pour nous faire, c'est que le ou gagne accusation ça qui fait contre des présidents qui en fonction, et le ou gagne accusation ça qui fait contre des présidents qui pas en fonction encore. Généralement, les États-Unis apprend le soin que, yo engagé poursuite ça yo, le monde n'a pas en fonction. En d'autres termes, monsieur, en position de vulnérabilité parce que il n'est pas président encore et regardez ce qui s'est passé en Honduras, c'est que quelques jours après et président pas en fonction, il a arrêté, il a volé aux États-Unis. Les implications civiles, financières, commerciales de monde qui tombé en bas sanction ça yo et même. Ça dépend parce que sanction ça yo yo capable sélective, yo capable comprehensive. M'ba trouver mon regret, ça m'ba trouver mon cœur là pour comprehensive, mais comprehensive là c'est comme t'as dit total. Et dans le cas de Martelly, nous voyons que et yo spécifié qui implication li gen. Yo dit que et monsieur pas qu'à transiger avec banque américaine, monsieur pas qu'à transiger avec et moun qui citoyen américain et moun qui résident et US person qui sont en terme qui veut dire en pile bagaille moun qui généralement et
américain ou bien résident aux États-Unis, yo pas qu'à transiger avec lui. Cependant, on pas ouais un lien dans le communiqué monsieur a qui dit que yo gelé à voir lui. Ouais, on pas ouais ça. Et tant comme zo sanction département du trésor yo capable sélective, yo capable et général global. Et donc est-ce que ça veut dire que pour ta fin fait champ de accusation ça pour pas gain gel des avoirs, mais ou connaît tout que généralement si gain poursuite pénale à ce moment-là, pour aller gagner gel des avoirs, est-ce que ça veut dire que yo estime yo pas besoin aller là et que gagner l'autre bail qui a venir? Pas qu'on est. Mais pour le moment, implication yo pour lui, c'est que lui pas qu'à faire prêt dans, et banque américaine, lui pas qu'à transiger certains bails aux États-Unis, monde américain, monde qui dans système là, que c'est américain ou bien ça ou les US person qui ont résident. Et yon US person quand même au monde qui TPS parce que souris aux États-Unis, on considère comme un US person. Et ces sanctions, ça va savoir que ou limité dans son café avec monsieur. Et pour moi, dans le cadre et dans la gamme de sanctions que le département du Trésor gagne, c'est des sanctions plutôt légères pour le moment que l'y fait face à lui. Désir, lié de vous, merci mon frère. Merci avec chaque grain de ami. Pabli, n'a quitté cette interview, ça, qui est docteur et friendly Denis Julien Baye avec confrère Nuna Magic 9.